Entre Vosges et Jura, le territoire de Belfort bénéficie d'une nature particulièrement riche et diversifiée. Pour sensibiliser l'ensemble des habitants à la nécessité de préserver cette biodiversité, le Conseil général du territoire de Belfort a développé un programme pluriannuel de sensibilisation animé par sa maison départementale de l'environnement. Voici le bilan de cette opération, initiée en 2008 pour 4 ans. Véritable porte d'entrée de ce programme, 4 expositions interactives, vivantes et ludiques ont suscité l'attention de plus de 150 000 visiteurs avides de découvertes. Moi, je les emmène surtout pour apprendre le respect de la nature, de l'environnement, puis qu'il y a plein de choses autour d'eux. Notamment ceux-là viennent d'un quartier, donc à part des blocs de béton, ils n'ont pas trop l'habitude. Donc on a commencé par les champs d'oiseaux qui est derrière la maison d'environnement. Et puis on a fini par la maison de l'environnement où il y a donc tous ces papillons qui sont là en liberté, ces petits papillons de toutes les couleurs, ils sont magnifiques, voilà. Chaque activité est plutôt bien tournée vers la découverte, vraiment on a des choses qui sont originales, on fait appel à tous les sens, c'est quelque chose de pas mal. Accessible, diversifié et participatif, ce programme a su interpeller les habitants autour de débats vifs sur des sujets de société comme le retour du loup dans nos régions ou le déclin des abeilles. Au-delà des nombreuses rencontres avec des naturalistes de terrain, un nouveau concept d'animation a également été créé, le coaching naturaliste. Cette formule répond à une demande forte d'un public essentiellement citadin. Je connaissais quelques-unes de ces plantes et je ne connaissais pas très bien leur famille. Alors j'ai été très surpris de cette démonstration, mais beaucoup de connaissances de la personne qui s'est occupée de ça. Je suis très content de cette journée. Enfin, pour accompagner ceux qui le souhaitent vers des actions concrètes de protection de la biodiversité, des ateliers pratiques sont venus compléter ce dispositif. Fabrication de nichoirs ou abris à insectes, création de mares ou encore techniques de jardinage biologique. Découvrir, débattre, agir, mais aussi s'initier durablement à la démarche d'observation naturaliste à travers un nouvel espace muséographique au sein de la Maison de l'Environnement. Le Biorama, inauguré au printemps 2011 autour d'un concept unique en France, a déjà reçu en quelques mois plus de 30 000 visiteurs invités à découvrir une nature de proximité. Ce sont des jeux en fait, à travers lesquels on acquiert les vertus, les qualités de l'observateur naturaliste, être patient, être discret, savoir repérer un animal comme ça dans un contexte, savoir interpréter les traces, les indices. Et puis évidemment, ça plaît aussi aux adultes parce que ça demande un apprentissage long pour devenir un bon naturaliste. Il faut pratiquer le terrain et puis s'exercer. Et c'est l'objectif de cette salle, s'exercer, s'entraîner. Ça donne envie, on a envie vraiment de chausser ses chaussures de randonnée, d'aller en forêt. Le programme de sensibilisation à la biodiversité du territoire de Belfort est soutenu par la communauté européenne. Il a bénéficié de la coopération scientifique du Muséum national d'histoire naturelle et de la participation de nombreux organismes et associations régionales et locales. Toutes les initiatives qui peuvent permettre de donner une nouvelle chance aux vivants qui nous entourent sont indispensables. Alors je suis très heureux de voir que sur un même site, on a pu faire une base de loisirs répondant aux besoins d'un grand nombre de personnes, une zone favorable à la pédagogie et à l'environnement, et enfin une troisième zone intégralement protégée. Parce qu'il y a beaucoup d'élus qui auraient l'idée de faire, mais qui ne savent pas trop comment ça marche. Et donc on peut donner l'exemple de Belfort.